J'aime bien le commentateur biblique Mathieu Henri, qui est bien connu. Ses écrits sont très utiles pour l'ensemble du peuple de Dieu, et lorsqu'on regarde sa vie, eh bien, on voit qu'à un moment donné, des, des brigands se sont attaqués à lui pour lui voler son argent. Le soir, dans son journal personnel, Mathieu Henri a écrit ceci: Seigneur, je suis reconnaissant de n'avoir jamais été volé avant dans ma vie. Deuxièmement, je te suis reconnaissant, Seigneur, qu'ils aient pris mon argent et non pas ma vie. Troisièmement, je te suis reconnaissant, Seigneur, que bien qu'il m'ait pris mon argent, ce n'est pas si grave que ça. Et quatrièmement, Seigneur, je te suis reconnaissant que ce n'était pas moi le voleur. Est-ce que vous avez appris à relativiser un peu les choses qui se produisent dans votre vie et à les dédramatiser? Est-ce que vous avez développé un esprit de gratitude et de reconnaissance? Matthieu Henry savait, et pour lui c'était très important, que le Seigneur Jésus Christ était sa plus grande richesse, était son trésor. Il voulait vivre une vie de reconnaissance et d'obéissance au Seigneur, parce que le Seigneur l'avait délivré une fois pour toutes de toutes ses fautes, de tous ses péchés, et lui avait procuré la vie éternelle. La Bible dit :« En toutes choses, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » La Bible dit aussi celui qui m'offre la reconnaissance c'est lui qui me glorifie. C'est un pensez-y bien.